Avec un livre pour la nuit, c'est l'heure de toutes les aventures littéraires. Une exclusivité Europe 1. Un visage pourtant me bouleversait. Ce visage pâle, rieur, des boucles en bataille sur un front large. Guy Moquet. Dans la nuit de jeudi à vendredi, dès 1h du matin, Pierre-Louis Basse lit pour vous son livre « Guy Moquet, une enfance fusillée ». C'est un sujet très, très tragique. Enfin, je pense même à l'Antigone de Sophocle. Il leur reste une heure à vivre. Et dans cette heure, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Imaginez qu'il vous reste une heure à vivre. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette heure? Est-ce qu'on serait capable aujourd'hui de mourir pour une cause, quelle qu'elle soit? C'est plus la générosité, le don d'eux-mêmes qu'avaient ces hommes et ces femmes. Tous les éléments sont réunis pour que ce soit un huis clos exceptionnel. Et en cela, je ne suis pas étonné que le monde du cinéma maintenant s'intéresse à cette histoire-là, y compris la politique, parce que c'est une histoire exemplaire. Guy Moquet, une enfance fusillée, est disponible aux éditions Stock, avec Europe 1.